salut, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Younes va nous lancer un big défi. Le défi va être simple pour une fois, c'est moi qui propose les défis. En bas, j'ai vidé une pièce tout entière. Ils vont devoir faire une pièce secrète. Wow, incroyable, une pièce secrète. Vous avez un setup et pas moi. Tu veux faire un setup? Bah ouais, j'en ai pas moi. Une vraie idée, on peut faire un truc de ouf. C'est quoi? Je te dis dans l'oreille. Wow. Par contre, il va y avoir une règle simple. Vous n'avez pas le droit d'aller dehors. Vous devez faire la pièce secrète seulement avec des choses full à la maison. Pas le droit d'aller dehors. En vrai, ça peut être incroyable avec des trucs à la maison. T'es d'accord? Ouais, ça va être une dinguerie. On a grave des trucs de ouf. Bah ouais. Allez, c'est parti. Derrière cette porte, va y avoir la nouvelle future pièce secrète. Je vais la faire découvrir à Yacine et Myriam. Wouah! Mais c'est vide. Quand je dis ouah, c'est vide. Elle est pas grande. En vrai, elle est grande, ça nous laisse l'opportunité de faire des trucs de fou là. En vrai, il y a des prises ici et ici. Ah ouais, en gros, on peut mettre des trucs. On peut faire des trucs de fou. J'ai pas fait le gamin, je vous ai laissé juste cette petite chose. Si vous en avez besoin, vous pouvez la virer. Ou sinon, faites comme vous voulez. Vous avez le temps que vous voulez pour aller chercher tous les accessoires à la maison et créer votre propre pièce secrète. Attends, on a le droit de trouver des trucs à manger? Pourquoi tu parles des trucs à manger? Je te parle d'une pièce secrète. C'est quoi le rapport? Alors, à partir de maintenant, vous pouvez aller là où vous voulez dans la maison, ramener tout ce que vous voulez pour votre pièce secrète. Bonne chance. Si le défi est relevé, à la fin, Myriam, je te paye en fast food. Oh, et Myriam, tu sais que dans ma chambre, c'est un trésor à bijoux. Il y a des trucs de ouf. Vas-y. Regarde, je vais te montrer ma cachette secrète. Wesh. Regarde dedans, toi. Regarde dedans, toi. Wesh. Normalement, il y a des choses. Il y a un micro. Oh, il y a un micro. Dans la cachette, tu prends quoi, Myriam? Wesh. Oh, regarde. Il y a du spray anti... Attends, ferme. Oh, un casque, incroyable. Tiens, prends-le. Wow, il y a un iPhone. Il est là, l'iPhone. Ah, c'est drôle. Du Doliprane. Ah, regarde, il y a des petites balles de nerf et je sais où sont les nerfs. Myriam, j'ai encore mieux que tout ça, là. C'est quoi? Wow, frère. Bon, laisse tomber l'idée du Doliprane, alors. Tu vas péter ton crâne. Un méga PC portable gamer. Incroyable, le sac magique. On le prend? Ouais, bah logique. Allez, go. Oh, ça fait Fortnite, trop cool. On va fouiller l'armoire de Younes pour voir s'il a des trucs. C'est sûr qu'il cache des Kinder Bueno ou des trucs comme ça dans son armoire. Tu penses qu'à manger? Wesh. Comment ça, c'est quoi ça? Ah, c'est de l'encre, ton imprimante. Oh, ça, il dort avec ça. Wow, regarde, il y a un tableau avec un cœur. Hein? C'est sûr, c'est sa copine qui lui a offert. Qu'on a trouvé dans cette chambre un micro, des casques, des balles de nerf et un klaxon. Plus le méga sac à dos avec le PC portable gamer. On va passer à la deuxième chambre parce que là dans la première chambre je pense qu'il n'y a plus rien à prendre. Attends, là-haut, regarde au-dessus de toi. Non, ça sert à rien de prendre les coupes, ça sert à rien. Il a bien dit tout ce qu'il y a à la maison, hein, y compris le setup. Ouais, mais... Attends, vous avez le droit de prendre que 3 choses, sinon c'est de la triche si vous prenez tout le setup. 3 choses. Ouais, 3 choses. Une manette de PS5 pour jouer à Fortnite. À mon tour de choisir. Un tapis de souris pour le PC portable gamer. En plus, regardez, il est en mode serpent, c'est trop stylé. Et un dernier truc qui peut nous être grave utile, un câble de PS5 pour charger. Ah, j'avoue, sinon on pourra pas jouer vu qu'il y aura pas de play. Ok, maintenant vous sortez de la chambre, sinon c'est de la triche. Okay, pas de problème, on a pris tout ce qu'il nous fallait de toute façon. Avant d'aller en bas, on va aller dans mon bureau. Regarde, c'est ouf, faut pas penser au bureau des maîtresses. Ah ouais, les bureaux des maîtresses, c'est toujours grave le boxon dessus. Déjà, on va voir ce qu'il y a dans le premier tiroir. Mais t'as vraiment un bureau de maîtresse, Myriam. Mettre les balles de nerf. T'as ça, c'est ça que tu vas prendre? Ouais, et ça. Genre moi j'ai des balles de nerf. La bravue, mais comment tu peux rater ça? Regardez ce qu'il y a à côté. Tu vois pas ce qu'il y a à côté? Ah ouais. Un big écran gamer. Alors ça la famille, c'est pas de la triche. Wallah, c'est un écran que je me sers plus du tout. Du coup je l'avais mis là mais... Non, c'est mon écran de PS4. Vous avez le droit de le récupérer. Oui, on s'en sert plus donc du coup vous pouvez le récupérer. Aïe. Ok. Il a rayé l'écran. Impeccable, prends la prise derrière. C'est parti, on va tout installer. En vrai ici, est-ce qu'on enlève ça ou pas? Alors, ça peut nous faire une table pour ça? Déjà, il faut savoir que comment on va faire. Et tu sais qu'il nous manque, on a oublié un truc de ouf. Quoi? Les chaises, on n'a pas de chaises. Là, rappelez-vous, c'était l'ancienne pièce secrète. Regardez ce que c'est devenu. C'est devenu quoi? Mais... Oh, c'est robot, les gars. C'est le bordel. Alors, déjà... Non, on a le droit de se servir dans ça. Oui? On a un tabouret, tiens, prends. Vas-y, prends-le, avance. Par contre, il nous faut une deuxième chaise, non? J'ai trouvé un truc de ouf, Myriam. Docteur Maboule. Je sais pas, fais ce que vous voulez. Yasmine, on prend le Docteur Maboule le jeu. C'est toi le Docteur Maboule. Et regarde, je trouve. Aide-moi à mettre le tapis. Impeccable. Ça va être notre terrain de foot. Quoi? Notre terrain de setup, pardon. Viens, on installe le setup. Attends, moi je place le ballon au centre pour tirer des pénalties. Ok, donc déjà on va commencer par mettre le PC. Ah, c'est mon chapeau ça. Viens m'aider toi. On va commencer par installer le PC, on va le mettre juste à côté de l'écran, comme ça on aura un double écran, ça va être incroyable. Ouais. Ok, impeccable. Et... on va essayer d'installer le micro. Comme ça on pourra parler avec des gens. A few moments later. Notre bureau est enfin fini.
après des minutes de travail. Regardez ce qu'on a installé. On a installé un méga PC portable gamer avec un deuxième écran. On a une manette, un casque. Et là, le micro pour pouvoir faire des lives et tout, ça va être incroyable. T'en penses quoi du setup? Bah, en vrai, moi, j'ai 10 sur 10. Là, par contre, il manque quelque chose, les gars. Il manque quelque chose. Et je pense que vous savez, c'est quoi ce qui manque? Bah, on va corriger ça tout de suite. C'est parti. Oui, je sais, c'est ce que j'allais prendre. Il y a le clavier. Il y a la tablette. Ça, c'est ma tablette. Oui, je vais la prendre. Tu peux la prendre? Ouais. Mais ça, c'est impeccable, ça, les gars. Vas-y, on y va. On va installer. Go. Je vais ramener en fait un autre support parce que là, regardez, on a que ça. Et il nous faut un autre support pour poser des trucs dessus. Donc, je vais ramener ça tout de suite. Trop bien quand il y en a un qui joue à Fortnite et l'autre, il a une tablette. Bah, le deuxième. Là, au moins, on a un double support pour poser des trucs. Attends, pour ça, Myriam. Bah, super, Yacine. C'est pas moi, c'est elle. Hein. Vous avez vu, c'est elle. Hein. C'est super, bravo. On peut applaudir Yacine. Mais ça se promet. C'est catastrophe. Ça se remet, non? Ouais. Un classique Pokémon avec des cartes, c'est collector de ouf, ça. Est-ce que vous savez que ça, si on le garde 20-30 ans, ça va monter à grave cher, hein. On va pouvoir le revendre à 20 000 euros au moins. Bon, bah, c'est fini, on pourra plus le revendre. Hein. S'il y a Dracofeu, je vous donne 100 euros chacun. Oh, et vous me donnez la carte aussi, s'il vous plaît. Goeli, sa tête de golf, ok. Chantilly, oh, on a Chantilly, Myriam. C'est un truc de ouf. Chantilly, ok, en brillante. Pikachu, le perroquet, incroyable. En Goliath. Ah lui, ça se voit, il est angoissé, lui, il est angoissé, les gars, lui. Franchement, je suis dégoûté, on n'aurait pas dû les ouvrir, Younes. Hein. Là, c'est des Pokémon claqués. On aurait entendu 20-30 ans, ils auraient valu 20 000 euros, les Pokémon claqués. Là, on va continuer les setups parce qu'elle fait n'importe quoi. Donc là, regardez, on a installé une tablette et un clavier. Comme ça, parce que là, si on a mis qu'un setup, il n'y en a qu'un qui pourra jouer, l'autre, il va s'ennuyer. Là, au moins, on a un double setup, tu vois. On a un double setup et ça fait, c'est pas mal. Myriam, j'ai encore une méga surprise, j'arrive. Tadam, surprise de fou malade. Oh my god. Non, mais calme-toi, hein, c'est juste... Yeah. C'est juste le carton, c'est juste pour la déco, calme-toi. Hein. Arrête, pour la déco, on le pose où? On va poser juste ici. Comme ça, on fait genre, on a une PS5. Les gens vont penser qu'on a une PS5. Impeccable. Eh, regardez, j'ai quoi? Peut-être que dedans, on peut avoir un Dracofeu. Oh, regardez les cartes de malade. Mais tu nous avais caché ça. Il n'y a que des cartes qui brillent. Je vois qu'ils s'en sortent très très bien. Je vais quand même leur apporter un petit cadeau venant de moi. Je reviens. Il va où? On sait jamais si dans 30 ans ils nous disent de les ressortir pour avoir 1000 euros. Ah. C'est bon. C'est quoi? Je vous ai fait une petite contribution. On va s'asseoir ici. Myriam, tu vas te mettre à côté de moi. Je vais juste proposer ça. Bien évidemment, dans un setup, il faut des bonbons. Yes! Vous apportez plein de bonbons. Wow, incroyable! Mais c'est incroyable! Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Il y avait ce gros Hellef qui a pensé à ça. Non, pardon. Dis devant tout le monde que je suis pas gros. T'es pas gros. Je suis pas gros. Non. Ok. T'es juste un peu enrobé, quoi. Arrête de parler, va nous reprendre le bonbon. T'es pas gros. Yacine et Myriam, je vois que votre setup, il avance super bien. Ouais. Donc là, regardez, c'est fait un petit bureau avec ses bonbons. Ouais. Son petit portrait. Donc là, j'ai un petit défi à vous proposer. Oh, Giro. Vous allez jouer au jeu des feintes. Oh. Le premier qui feinte a perdu et l'autre gagne. Prends, tu commences. Ok, passe à pas, tu commences. Ouais. Oh, elle a briqué. Non, elle a pas briqué, arrête. Normalement, c'est 3 passes. 1, 2, 3, ça joue. C'est parti, je défeinte. Ok, Myriam qui essaye de feinter, ça passe pas malheureusement. 5, 4 feintes. Ah, manche! T'as une crampe? Non, là, j'ai mal. Aïe, 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 je me suis bloqué la hanche. On va faire un changement, je crois. Ça va? Il a mal à la hanche, t'es mec, il est blessé. Doucement. Ce setup, c'est aussi d'hôpital. Vas-y, encore. T'es vraiment blessé. Ouais. Ah, ça fait grave mal. Avant que Myriam et Yacine dévoilent leur pièce secrète, je vous propose, comme vous avez bien travaillé, je vous invite au fast-food, Myriam. Ouais. Moment préféré de la vidéo, c'est le moment d'aller manger. Je sais qu'en ce moment, il fait que de pleuvoir. Et n'insultez jamais le temps. Le temps, c'est Dieu qui le fait. L'eau, c'est la vie. Regardez comment ils sont contents. Il y a de l'eau sur les sapins. Ça fait plaisir. Là les amis, aujourd'hui grosse dinguerie, je l'emmène dans un vrai restaurant. On va manger sur place. Il y a burger, sandwich, salade, tout. On va dans les burgers. Burger, regardez tout ce qu'il y a. Et tout ça c'est halal, c'est une dinguerie. Menu enfant, vas-y, menu enfant. Et il y a des trucs d'ouf, et prends des menus enfants, frère. Là on attend la commande. On s'est posé tranquille, Yacine il fait ses devoirs, regardez. Tu fais des devoirs de quoi? De cours arabe. De cours arabe? Est-ce que tu comprends? Bah, en fait moi j'ai raté 2 cours d'affilée là, parce que j'étais malade. Et du coup, je comprends rien. Hey, t'essaies de rattraper tes cours. Mais Younes, explique-lui, toi, t'es le grand frère. Là. Mais déjà. Même lui, il comprend pas. Déjà, même moi, j'arrive pas à comprendre. La psychiatrie. T'as été au cours ou t'as été t'asseoir? Mais gros, c'est dur quand même. S'il y en a qui peuvent nous aider. En gros, pour ceux qui connaissent, on apprend d'étudier les articles de Mine ou Mina. Les gars, je vais la chercher. Lui, il a dû se prendre une commande. Oh là là. Je réponds, je réponds, je réponds.
On dirait les plateaux de la cantine. Non, il n'y a pas de trou là. Tiens. Hey, c'est incroyable. Hey, vous imaginez, oui, vous imaginez à la cantine, il y aura des plats comme ça. Ouais. Il y a une sucette carrément. Moi, je prends mon plat, alors Coca Zéro, voilà. Comment ça, tu prends rien? Hey, vous croyez trop, je suis un gros porc. Hey, moi, je mange ça que dans les vidéos. Là, je suis en mode jet. Mon frère, si je suis pas gros, c'est parce que je mange bien, mon frère. Dit-il avec un gros Coca devant lui. Mais c'est zéro, zéro. C'est un Coca quand même. Hein. Petite mozza stick, ça fait plaisir. Il n'y a pas de sauce? Si, il y a des sauces, il y a des sauces derrière. Bah mets-toi tes sauces. Il y a des petites sauces. Tu penses que le setup, vous en êtes bien sorti ou pas? Non, je pense que oui. Et toi, Yacine? En vrai, le setup, ça va, on a fait des bons trucs. Mais après, ouais, on est limité parce qu'on veut pas aller au magasin. Ouais. Si vous allez au magasin, c'est trop facile, mon frère. Comme ça, Théma, comme ça. C'est de l'art, c'est de l'art. Et la moi, commande 27 est prête. Ah, c'est toi, Younes. La commande. Non, je rigole. Allez, go Myriam, big mélange. Okay. Déjà, on va mélanger des ça. Des bonnes petites nuggets, des bonnes petites frites. Oh. Pense à Elias et ses pizzas au sucre. Ah oui, il y a un abonné qui fait des mélanges, laisse tomber. Je veux même pas. Un grec à la confiture de fraises. Qui a Elias, arrête. Et comment on reconnaît des frites maison, regardez. Ça se voit, c'est des frites maison. C'est chaud. Wow. Oh, le fromage qui dégouline. Incroyable. C'est vraiment pas facile ces capricelles là. T'arrives pas? Attends. Applique-toi, t'as bientôt 40 ans, allez. Bien évidemment, on gaspille rien. J'ai pris ça pour la maison. Et ça aussi. Maintenant, on va découvrir le setup. C'est le moment enfin de dévoiler la pièce secrète de la Hesse parce que je l'aurais pas autorisé à aller au magasin. Sinon, ils auraient pu faire un truc de ouf. On va voir comment ils se sont débrouillés. Je vous présente la pièce secrète. Donc déjà, pour commencer, très important, on a un terrain de foot ici. Le terrain de foot, il est important. Pourquoi? Parce qu'on se défie à chaque fois avec Myriam. Celui qui gagne, il choisit le setup où il va pour jouer. Donc là, on commence avec le premier setup ici. Viens voir. D'abord, regarde. Tu tac. On a pour commencer donc, regardez-moi ça, le PC portable ici avec la manette, l'écran et le micro, ça va me servir pour jouer à Fortnite ou à regarder des vidéos, ça fait super plaisir avec le petit casque. Et juste derrière, regarde, l'armoire à bonbons, un petit bol à bonbons, tu vois. On a ma petite tablette pour jouer à plein de jeux, là on a Subway Surfer, là on a un petit clavier, tout ça, tout ça. Et là on a un magnifique portrait de moi avec un perroquet. On a fait ce qu'on a pu, mais c'était trop dur de pas aller au magasin parce que sinon on aurait acheté des néons. On aurait acheté des trucs de ouf. J'avais une bête idée, j'avais une idée de mettre des nuages au-dessus avec des tonnerres, des néons, des on néons de pas, pas non plus. Hein. Des trucs de mal avec un volant de voiture. Vous savez quoi? Si cette vidéo atteint les 7000 pouces bleus, je vous autorise à aller au magasin et acheter ce que vous voulez pour finir la pièce secrète. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars? Likez. Jusqu'à ce que vous ayez mal au pouce. J'espère que ça vous aura plu. Mettez-leur une note sur 10. Moi, je leur mets 8,5 parce que c'était très compliqué. Il y avait pas beaucoup de choses à la maison. Ils s'en sont très bien sortis. N'oubliez pas de vous abonner. Mais 8,5, c'est bien. Sur 10.